quieres que mi venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo. No despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho, hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, llora. Llora, llora, llora. Oui, deux chambres individuelles, mais à des étages différents, loin l'une de l'autre. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Tenez. Au revoir. Super, je vous remercie. Fernanda. Je pense que ce serait mieux d'aller voir Brenda demain, non? Il est déjà tard. Non, j'ai déjà rendez-vous avec elle. Ah, oh, c'est rien, j'étais au téléphone avec elle. Je lui ai dit que tu étais nerveuse et fatiguée à cause du voyage. Ah. Viens, je t'accompagne à ta chambre. Mais allons manger au restaurant, je meurs de faim. Merci. Monsieur, voilà la clé de ma chambre. Montez mes bagages, s'il vous plaît. Je vais prévenir qu'on est arrivé. Non, on va mettre de côté les téléphones pour aujourd'hui. Pas de téléphone. Je doute que tu veuilles être déçu si Raphaël n'appelle pas. Oui. Rends-moi mon téléphone. Pas avant qu'on ait dîné. Je ne veux pas qu'on nous interrompe. Allons-y. D'accord. Tu as trouvé quelque chose? Oui. Oui, mais d'abord, réponds-moi. Oui. Tout à l'heure, tu as dit à Julia que j'étais ton futur mari. C'est vrai, tout ça? Ben, il fallait que j'invente quelque chose pour qu'elle nous laisse tranquille. En plus, on se voit comme des amis. Tu m'as pas demandé d'être ta copine. Sérieusement? Une chose à la fois, Louis. Tu me prends pour une fille facile? Tu veux être ma copine? Je sais pas. Laisse-moi réfléchir. Ok. En attendant que je me décide... Fouille toutes les boîtes pour voir si on a trouvé quelque chose d'important. Et si je te dis que j'ai trouvé? Ah oui, montre-moi. Oui. Là, dans cette boîte, c'est des factures. Laquelle? Regarde. Des factures de Los Laureles. Fais voir. Juste là. Tu crois qu'il faudrait qu'on le dise à German de la part de Fernanda? Oui, bien sûr. Mais avant, on doit continuer à inspecter les boîtes pour voir si on trouve d'autres papiers du ranch. Alors? Parce qu'il y a plein de boîtes. Voilà, il doit y avoir autre chose. C'est que je sais tout sur Rigoberto. Il s'est associé à Isidoro pour cambrioler le Primor. Je suis sûr que cette information va beaucoup intéresser Octavio Toscano. Allez, Octavio, Fernanda. Octavio, non. Je ne bois pas beaucoup, mais... Mais ce n'est pas beaucoup, ça. C'est pour que tu te détendes un peu plus. Allez. Merci. Ma femme. Ah, Laetitia. Mais pour que tu vois que rien n'est plus important que toi, j'éteins mon téléphone. Oui, j'ai vu. Monsieur. Ah, merci, merci. Merci. Allez, Fernanda. Allons dans ta chambre.
Menteur! Menteur! Mon fils est mort en défendant le Primor. On sait tous les deux comment ça s'est vraiment passé. Mais ne t'en fais pas. Je ne dirai rien à ton patron. Mais à une condition. Que tu me racontes ses secrets. Oui, oui, bien sûr. Pour qu'après avoir parlé, tu me tues comme un chien, hein? Si tu ne m'aides pas, il apprendra que tu as laissé le voleur partir de l'hacienda, contre la vie de ton fils. Autant me tirer une balle dans la tête tout de suite. Tu n'en vaut pas la peine. Mais je vais te laisser du temps pour que tu réfléchisses. Allez, allez. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Fernanda, ne me dis pas que tu recommences avec ton manque de confiance. Ça te gêne que je sois un gentleman et que je veuille t'accompagner? Si c'est ça, je ne viens pas et... Non, non. D'accord. Tiens donc, le taureau toscano est la plus belle fleur du jardin. Juana. Oh, vous avez déjà mangé? Ah oui, on mourait littéralement de faim. Je t'ai appelé pour te prévenir qu'on arrivait, idiote. Mais en fait, Octavio a mon téléphone, il me l'a pris. Brenda, pardon, je ne t'ai pas salué. Salut. J'avais vraiment hâte de te voir. Octavio m'a fait la faveur de m'accompagner. Mon téléphone. Bien sûr. Tiens. Merci, Octavio. Je suis venu à Mexico pour voir Viviana. J'ai convenu avec elle qu'on se verrait demain matin. Ah, oh, elle continue avec ça. Elle veut vendre au plus offrant. Pourquoi tu as mis si longtemps, Juana? Oh, parce qu'il y avait beaucoup trop de lumière dans la ville. J'ai eu du mal à trouver Tsunami pour qu'on vienne ensemble. Juana? Oui? J'ai pas faim, mais si tu veux, n'hésite pas. Ah! Non, je vais plutôt aller dans ma chambre. Ça ne va pas? Comment ça? Tu restes avec moi? Oh, c'est encore mieux. Brenda, viens, comme ça tu nous expliqueras ce qu'on signera demain. Excuse-nous, Octavio, on ne t'invite pas parce qu'on va parler de nos ovaires. Non, 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 non. Allez-y, allez-y. Octavio, merci pour le dîner. Un plaisir. Repose-toi. Un plaisir, content de vous avoir vu. À demain. On se voit demain? Oui, à demain. Raphaël, regarde dans quel état tu es. C'est comme ça que tu affrontes les problèmes avec ta femme? Je l'ai déjà fait. Je l'ai virée de la maison et je ne veux plus jamais la voir parce qu'elle pourrait me convaincre avec ses mensonges. Malgré tout ça, maman, je l'aime toujours. Je vais donner des ordres pour qu'on ne la laisse pas entrer. Oui. Si tu ne m'avais pas parlé de ces photos... Je n'aurais jamais cru qu'elle te trompait. Et en plus, avec un homme qui a failli tuer ton père. Je ne sais pas comment... Comment j'ai pu, maman, croire en elle. C'est impossible. Oh, ça me fait si mal de te voir comme ça. Moi aussi, j'ai cru en Fernanda. Je croyais qu'elle t'aimait. On a tous les deux été très naïfs. Papa m'avait prévenu, pourtant je ne l'ai jamais écouté. Elle était ma vie. Ça me fait tellement... mal. Je me sens mieux depuis que j'ai dit la vérité à Raphaël sur Isabella et Rigoberto. Ça m'a fait pareil quand j'ai été honnête avec Laetitia. Malheureusement, le moment est venu pour ma fille de payer les conséquences de ses actes. Je ne peux plus la protéger. On fait parfois les choses par amour et le résultat est pire. On a réalisé les choses trop tard. Je suis content que tu restes ici. Tu sais que je t'aime comme ma fille et tu m'aurais beaucoup manqué. Merci pour tes paroles. J'ai toujours rien envie de faire, mais je vais me concentrer sur le travail.
Entrez. Excusez-moi. Louis et Myriam veulent vous voir. Ils vous attendent à côté. Très bien. Alors, comment te sens-tu, Angela? Coussi coussa. Je crois que cette fois, je vais devoir te cuisiner quelque chose qui te fasse sourire. Tu sais quoi? Il y a peu de temps, je voulais mourir pour être avec ma fille et mon épouse. Je suis en vie pour une raison. Et le jour approche où je leur rendrai justice. Tu verras. Très bientôt, toi aussi, tu te trouveras des raisons de vivre et d'être heureuse. Oui, tu as raison. C'est pour ça que l'inspection ne pouvait pas faire son travail. Il leur manquait ses papiers et il semblerait que quelqu'un tenait un double de la comptabilité. D'où est-ce que vous sortez ça? Mieux vaut que vous ne sachiez pas. Mais on vous fait confiance, vous n'allez pas nous dénoncer. Je vous jure que non. Et j'ai aussi de gros doutes sur la façon dont Octavio gère ma ferme. Maman, je ne sais toujours pas qui a volé mes photos. De quoi tu parles? Des photos de Fernanda et César que j'ai prises et que certains trouvent compromettantes. Mais ce n'est pas le cas, ils ne faisaient que du self-défense. Il faut que je sache qui me les a volées pour expliquer à Raphaël que cette personne avait de mauvaises intentions. J'imagine ce qu'elles ont provoqué. Mais attendez, qui les a prises? On vit à la pension, avec Angela et Germaine. Je pense que c'était Julia. Elle était là. Octavio ne répond pas à mes messages. Il faut que je sache s'il a montré les photos de Fernanda et César à Raphaël. Si tu avais vu la tête d'Octavio, on aurait dit que c'était lui qui avait été trompé. Fais-toi plutôt à l'idée qu'il n'est pas pour toi. Il ne l'a jamais été. Tu pensais vraiment qu'il allait quitter Laetitia pour toi? Même si ce sera long. Octavio et moi finirons ensemble. En attendant, on doit trouver comment obtenir un faux test ADN. Parce que quand ton enfant naîtra, on fera croire qu'il est de Raphaël. Vraiment? Tu penses qu'on doit continuer cette supercherie? Oh, par pitié, tu as toujours cette mentalité de perdante. On doit réagir, ouvre les yeux. C'est ça où on est à la rue, enfin! J'ai mis mes mains au feu pour elle. Et regarde. Les signaux étaient sous nos yeux, mais... on n'y a pas fait attention. Tu sais quoi? Je trouve que l'amour nous rend tous fous ou stupides et... Hey, David, comment tu penses accomplir ton devoir de mère si tu passes la journée à boire? On soulage notre peine. Comment ça? Tu as des problèmes avec Fernanda? Eh bien, disons que... il n'y a plus rien à sauver entre nous. Tout est terminé. Attends, mais vous venez de vous marier, Raphaël. C'est normal qu'il y ait des disputes avec ta femme. Qu'est-ce qui peut être si grave que vous vous sépariez? Peut-être voir ta tête de bouc, avec des cornes. Tu veux le publier pour que tout le monde le sache? Et tu dis encore à ce type qu'il est insensible. Attends, attends, ne dis pas ça. J'ai aussi mon petit cœur. Bon, je vais te donner un conseil. Regarde un peu du côté de ton associé, Brenda. Depuis que tu l'as rencontrée, ça se voit qu'elle est intéressée. D'accord, mais tu... tu es insensible. Germaine, regarde. Regarde ça. Ce sont les dates où tu m'as dit que tu étais en voyage avec Julia et qu'Octavio était aux commandes de ton ranch. Oui, et elles vont peut-être coïncider avec celles des factures des dépenses dupliquées. Exactement, c'est justement la question. J'ai et on expliqué va voir... à César que c'est peut-être Julia qui a pris les photos. Pierrot va donner à Fernanda le reste de la série pour qu'elle prouve à Raphaël que c'était un malentendu. Mais aucun d'entre nous n'est en position d'être cru. Oui, vu comment il s'est plaint à Fernanda, je doute qu'il se réconcilie. Oui, on trouvera bien quelque chose. Vous voulez qu'on vous aide? Oui, avec plaisir. Allez, allez-y. Vous restez avec nous, hein? Oui. Hey. Ce ne sont pas les contrats d'achat et de vente des terres occupées par l'usine de conditionnement.
réveille-toi, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Hey, quoi? Tu es réveillée? Oui. Écoute-moi. Louis et César ont trouvé des preuves contre Octavio. Juana, ils ont tout. Ils ont les contrats des terrains où se trouve l'usine. Ils ont aussi des preuves de la fraude qu'Octavio a fait à Germaine sur Los Loreles. Oh, c'est génial. Oh, quelle joie. Ce cauchemar va enfin se terminer. Juana. J'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir. J'ai toutes les preuves ici. Quand Raphaël les verra, il me pardonnera. Tu entends? Il me pardonnera tout, Juana. Ah, super. Bonjour. J'allais me doucher. Ce n'est pas trop tôt. Tu as vu l'heure, chérie? Ton père est rentré de Mexico. Raphaël, on était très inquiets pour toi. Non, non, attends. Tout va bien. J'ai trop bu. J'ai décidé de ne pas me laisser aller. Fernanda m'a déjà fait assez de mal comme ça. Je ne peux pas en plus me sentir vaincue. C'est très bien, mon cœur. Ne la laisse pas te faire souffrir plus. Elle s'en fiche de moi. Elle n'a même pas essayé de m'appeler. Ah, enfin! Ah! Tu as fait un bain de sang, tu arrives juste. Regarde dans quel état tu es. Non, patron. On m'a enlevé. Comment ça, enlevé? Ouais. Je suis sûr que c'était ce César. Il avait une capuche, mais j'ai reconnu sa voix. Et j'ai finalement réussi à m'échapper. Et que voulait cet idiot? Avoir des infos sur vous, patron. Mais je vous jure que je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, même s'il a menacé de me tuer. Il a même dit qu'il allait vous faire croire que Rigoberto avait participé au cambriolage du Primor. Ce sale chien, il veut toujours se venger de moi. Il m'a frappé là où ça fait mal. Mais il me le paiera très cher, Carmelo. Fernanda et lui espéreront ne jamais être nés. Tu dois nettoyer la cuisine. Et ne me dis pas que tu as mal à la jambe. Je ne proteste pas. Je vais d'abord finir de manger. Myriam, oui? Je vais au Nouveau Jour pour montrer l'épreuve à Fernanda. Et oui, pour voir Rosalina. Enfin, surtout pour voir comment va ma fille. Je ne t'ai pas dit ça pour que tu te sentes mal. Tu crois que je suis content de savoir que ma fille va grandir loin de moi? Et qu'en plus, elle est le souvenir vivant de toutes mes erreurs. N'exagère pas non plus. Le bébé n'y est pour rien. Bon, dépêche-toi d'y aller. Et je souhaite de tout mon cœur que Rosalina et ta fille aillent bien. Merci, ma belle. Je vais chercher mes clés à la cuisine. Ok. Qu'est-ce que tu as? Tu ne vas rien dire pour me blesser? J'ai mille choses qui me viennent pour me moquer. Mais là, j'ai pas envie de rire. Oh! Tu ne vas pas me faire croire qu'Erasmo te manque? Pas du tout. Comme s'il allait me manquer. Tant mieux. Parce que je ne veux pas que tu le séduises. Erasmo est un homme bien. Il a bon cœur. Et honnêtement, tu ne le mérites pas. Oh, j'ai passé un super moment avec Fernanda la folle et Tsunami. Non, Tsubaki. Oh. Non, tu as vraiment du mal avec les noms, Juana. Oh. Ça a donné quoi? Elle t'a tout expliqué sur les pourcentages et les gains et tout ce que tu ne comprends pas? Oui, même avec des pommes, mais je n'y comprends rien, Clara. Mais toi, tu aimes ça. C'est pour ça que je lui ai dit que ce serait une bonne idée de t'envoyer en ville. Et tu géreras les affaires avec elle depuis là-bas. Oui, non, oui, j'adorerais ça. Oh, la vérité, c'est que, écoute, après tout ce qui s'est passé, avec David et tout, je peux aller nulle part sans qu'on me fixe et qu'on s'en prenne à moi. Parce qu'ils ont tous de gros problèmes de mémoire. Ils oublient que beaucoup d'entre eux sont des clients du jardin de Flore. Idiot! Et puis, oui, Chamal va me manquer, mais il vaut mieux que je parte et que je saisisse cette opportunité. Et j'éviterai à Fernanda d'avoir des problèmes avec Raphaël. Oui, mais tu le fais aussi parce que tu veux éviter l'autre idiot de docteur. Parce que lui, c'est vraiment un idiot. Oui, franchement. Franchement, je ne veux plus le voir. Il sera content de savoir que je ne suis plus là. Ah, alors pas un mot de plus. Tu iras en ville ce week-end avec Tsunami. Non, c'est Tsubaki. Tsunami, oui. Tu ne peux pas rester ici. Je t'avais pourtant dit de partir le plus vite possible.
Pardon de m'en mêler, mais pourquoi il se fait mettre dehors comme ça, si c'est pour Myriam? Non, non, ce n'est pas personnel, Angela. Octavio veut le faire accuser du cambriolage au Primor. Et vu qu'Antonio est de son côté, ils ne vont pas tarder à venir le chercher. C'est vrai, ça? Ouais, je dois aller au Nouveau Jour. J'espère que tu le convaincras, car on n'a aucun moyen de lui venir en aide. Point. César, si c'est vraiment le cas, il vaut mieux que tu partes. Parce que tu n'as rien à voir avec le vol, non, vrai? Bien sûr que non. C'est simplement un prétexte d'Octavio pour me gâcher la vie. Alors dans ce cas, pars sans perdre une seconde. Je vais partir quelques jours. Mais avant ça, je dois terminer une affaire en cours. Tu es un cœur de pierre. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai demandé ce que tu venais faire ici. Fernanda! Toi et moi, on joue à un petit jeu depuis déjà quelques temps, n'est-ce pas? Je pense que le moment est enfin venu de jouer carte sur table, tu n'es pas d'accord? Pas vraiment. De quoi tu parles? Je veux d'abord savoir une chose, c'est quoi l'histoire avec César? Je t'ai expliqué pour les photos, tu m'as dit que tu me croyais. Et César n'est qu'un ami. Ah, d'accord, ce n'est qu'un ami. Mais Fernanda, tu sais que tu peux t'ouvrir à moi. Sois honnête. Je sais que tu n'aimes pas mon fils. Et encore moins ce moins que rien de César. Écoute, Octavio... Que tu ne vas pas revoir. Parce que c'est lui qui est entré au Primor, Fernanda. Non. Non, ce n'est pas vrai. Bien sûr que c'est vrai. Oui, Fernanda, s'il te plaît. Alors mieux vaut qu'ils ne remettent pas les pieds à l'Hacienda, parce que mes hommes ont ordre de tirer à vue. César est une bonne personne, il n'a jamais volé qui que ce soit. Mais qu'est-ce que tu as avec César? Pourquoi tu le défends autant? Est-ce que c'est ton amant? Mais non! Il laisse-le en paix. Eh bien c'est trop tard, parce que la police se charge de lui, viens là! Octavio! Non, viens là! Viens là! Viens là! Non! Calme-toi. Non, lâche-moi. Calme-toi. Lâche-moi. Calme-toi. Tu as écarté Raphaël de ta vie, non? Alors moi, je vais faire disparaître César de la tienne pour que plus personne ne se mette entre nous, Fernanda. De quoi tu parles, Octavio? Lâche-moi. Je te plais. Et je sais que tu me désires, Fernanda. Ne le cache plus. Je suis fatigué d'attendre que tu me dises que je suis l'homme de ta vie.